Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous retrouver après 3 semaines sans filmer. Puisque oui, si vous avez vu ma dernière vidéo donc qui était sur mes lectures d'été, vous savez que je n'ai pas tenu parole, je n'ai pas filmé du tout pendant mes vacances. Je suis désolée, voilà, je vous ai un petit peu abandonnée pendant 3 semaines. Mais je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai beaucoup déconnecté, enfin j'ai totalement déconnecté. J'ai pas posté sur Instagram, enfin en tout cas presque pas, et j'ai pas filmé aussi. Voilà, d'ailleurs si vous avez vu ma dernière vidéo, vous êtes au courant du drame, qui explique ce cadrage peut-être un petit peu bizarre et aussi le fait que vous n'avez pas eu beaucoup de plans avant. J'avais l'intention de filmer pendant mes vacances, donc j'avais pris mon trépied. Le jour où je suis arrivée, j'ai déballé toute ma petite valise, j'ai posé mon trépied dans un coin et je suis repartie sans. Donc mon trépied est resté en vacances, il n'avait pas envie de reprendre lui. Donc écoutez, c'est pas grave, de toute façon ce que je vous disais, ça fait plusieurs mois que je dois absolument en racheter un, notamment un qui peut tenir mon téléphone en mode portrait pour pouvoir faire des réels. Et donc du coup, bah là j'ai été obligée. Donc j'en ai recommandé un qui arrive du coup demain. Je vous cache pas que ce matin ça a été un petit peu la catastrophe parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus de trépied au moment où je devais filmer ma vidéo. Donc j'étais un peu en galère. Donc là actuellement vous êtes sur une pile de livres. Heureusement j'ai oublié mon trépied. Et comme vous pouvez le voir, je ne manque pas de livres, donc c'est parfait. Ils ont une bonne utilité actuellement. Ils sont multifonctions les livres chez moi. Ils font trépied et livres. Voilà. Bref, sinon pour faire un petit résumé de mes vacances, ça s'est très très bien passé. On a vraiment bien profité en famille. Je vous l'avais dit, mais la première semaine, ma soeur, ma belle-soeur et mon neveu étaient là. Donc j'étais trop contente de le revoir puisque ça faisait un an à peu près que je ne l'avais pas vu. Donc il a bien grandi. Maintenant il a un an et demi, ça s'est merveilleusement bien passé avec Saika. Je suis trop contente. Franchement, c'est là que je vois que j'ai une chienne vraiment de bonne composition. Puisque c'est bien le digne-fils de sa mère et de sa tata. Puisque, enfin il est le neveu de sa tata, puisqu'il adore les animaux. Donc il était très très fan de Saika. Sauf que bah, c'est un enfant de 18 mois, donc c'est pas très délicat. Donc il lui a attrapé les poils et tout. Saika était nickel. Bon, je vais pas vous mentir, ça reste Saika. Donc il y a eu quelques petits strikes involontaires, puisque bon bah à 18 mois, on n'est absolument pas stable sur ses jambes. Et Saika, quand elle vient vous dire bonjour ou quand elle vient vous voir, elle n'est pas très douée, souvent elle te rentre un peu dedans. Heureusement que mon neveu a des couches bien rembourrées. Mais donc voilà, donc je suis très contente, ça s'est très bien passé. Bon écoutez, ça a été des vacances vraiment plutôt chill. On a visité des châteaux, on a fait une randonnée, on a été se baigner dans la Dordogne. C'était super sympa et surtout j'en ai profité pour beaucoup beaucoup lire, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo. Donc franchement ouais, c'était des très bonnes vacances. Du coup, je suis rentrée vendredi soir. En fait, on est parti de Dordogne en tout début d'après-midi. C'était pour éviter, puisque le lendemain, du coup, c'était le chassé-croisé du 15 août. Donc, on voulait pas partir un samedi. Donc, du coup, je suis rentrée vendredi soir. Samedi, vous avez rien loupé, j'ai pas filmé puisque concrètement, bah, j'ai reset l'appartement et mes placards, je suis allée faire des courses. Hier, j'ai dessiné, c'était très très chill. Hier soir, j'ai regardé la cérémonie de clôture des JO, c'était très très sympa en dessinant. Enfin, plutôt en mettant en couleur là du coup, parce que oui, je vous avoue que j'ai pas mal culpabilisé, mais je n'ai pas réussi à travailler. J'ai essayé de mettre un peu en couleur mes illustrations là-bas. Mais je vous cache pas que, alors déjà, il faut savoir, c'est que je suis très sensible des épaules. J'ai eu une grosse fracture de l'épaule il y a quelques temps de ça, suite à un accident à cheval. Ce qui fait que maintenant, en fait, mon épaule s'est pas bien remise en fait. Peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais avoir besoin d'un buté quand je vais vieillir. Mais en tout cas, ouais, elle sort beaucoup de l'axe. Ce qui fait que j'ai besoin d'avoir une position bien confortable pour dessiner. Sauf que là, il n'y avait pas de chaise de bureau qui se réglait. Donc déjà, il y avait ça qui était un peu chiant. Et c'est surtout que pour dessiner, j'ai vraiment, enfin en tout cas pour créer, j'ai vraiment besoin d'être dans ma petite bulle. Et bah là, j'avais pas vraiment de coin tranquille, pas de bureau ou quoi au caisse. Et je vous cache pas que j'avais vraiment envie de passer du temps avec ma famille. Donc ce qui fait que j'ai pas trop bossé, donc j'ai culpabilisé un petit peu, mais du coup je me rattrape maintenant. Et comme je vous l'ai dit, du coup aujourd'hui c'était mission tournée à la vidéo, je l'ai montée, j'ai préparé vos commandes du coup pour les abonnements. Et également bah, j'ai continué la mise en couleur. Aujourd'hui c'est la pire journée puisqu'il fait 35 dehors, il fait très très lourd, c'est juste horrible. Du coup
Vous entendez Saïka. Du coup, ce matin, j'ai fait une vraie balade à Saïka, à la fraîche, bien tranquille. Et cet après-midi, on a juste fait une petite pause pipi à la rivière. Genre vraiment, on est arrivé, elle est descendue de la voiture, elle a été dans l'eau, elle a fait pipi, elle a été dans l'eau. Et on est rentré, parce que c'était juste pas possible. Et là, vous risquez de l'entendre, puisque je lui ai donné, du coup, vous savez, je vous avais montré, je crois, je sais plus, à Action, ils avaient fait, ou d'un moment, je sais pas si elles ont toujours, des espèces d'énormes Kong, en fait. Et donc du coup j'ai mis de la pâtée dedans et donc du coup là elle s'éclate vraiment, oui franchement en plus il est vraiment énorme comparé à ceux que j'ai là, les rouges, donc du coup ça lui dure 20 ans, donc c'est très très bien, ça l'occupe puisque bon, c'est pas très rigolo pour elle. Et donc voilà un peu pour le résumé de ces derniers temps. Et en plus voici, mauvaise nouvelle, du coup en rentrant je me suis aperçue que la souris ne marchait quasiment plus, c'est-à-dire qu'elle a peut-être se déconnecter, connecter, redéconnecter. Bon après elle est vraiment très vieille hein, puisque je crois que ça va faire 8 ans je crois, 8-9 ans que j'ai mon ordinateur et donc j'ai cette souris et donc elle commence vraiment à me lâcher et en même temps franchement je vais pas vous mentir, elle est tombée un nombre incalculable de fois, donc bon elle s'en sort plutôt bien de mourir maintenant, mais donc du coup j'en ai recommandé une, donc j'espère qu'elle va vite arriver parce que là je vous cache pas que pour faire le montage et tout c'était un peu galère avec une souris qui n'arrête pas de se déconnecter, donc j'ai hâte de la recevoir demain avec mon trépied. Donc voilà pour les petites news. Cette semaine, écoutez, ça va être objectif pour le début de semaine, mise en couleur de mes illustrations. Ensuite, je crois que je vous l'avais dit, avant de partir de vacances, j'ai un gros projet pour une cliente. Donc je vais commencer à travailler dessus mercredi. J'aimerais bien lui envoyer mes premières propositions jeudi soir. Voilà, donc ça va me faire 2 jours de travail dessus. Où je vais, je sais pas trop combien de temps ça va me prendre, mais j'aimerais bien lui envoyer mes premières propositions jeudi soir et ensuite continuer de me concentrer sur les mises en couleur. Ensuite la semaine prochaine je travaillerai du coup sur l'abonnement de septembre puisque je repars du coup la semaine prochaine, vendredi pas là mais celui d'après, en Alsace. Du coup je l'avais dit, pendant une semaine on va randonner. Et également on va aller revoir les sœurs de Saïka et également l'élevage puisqu'ils font un petit rassemblement tous les ans. C'est vrai que jusque là j'y avais jamais été parce que l'élevage de Saïka est en Alsace, mais là du coup j'avais envie de partir randonner pour mon anniversaire. Donc on a profité pour du coup aller dans les Vosges randonner et faire une pierre de coups et retourner voir ses éleveurs, donc ça va être très très chouette. Pour le coup là je filmerai quand je serai en Alsace, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner deux fois. Mais donc voilà pour les news, ça va faire 45 fois que je le dis. Bref, là du coup il fait très très chaud, donc ce que je vais aller faire, parce que je crois qu'il est bientôt 18h, quelque chose comme ça, c'est que je vais aller prendre une douche parce que là je n'en peux plus, bien que j'ai un système de clim chez moi, c'est pas vraiment une clim, écoutez c'est la première fois que j'ai ça et c'est un truc de dingue, ça me change la vie. Il faut savoir que j'ai toujours habité sous les toits, enfin chez mes parents du coup ma chambre était sous les toits, mon précédent appartement c'était sous les toits, sans clim, sans rien, et donc du coup je crevais de chaud l'été, c'était un truc de dingue, mais du coup j'avais un vieux ventilo. Mais donc en fait dans cet appartement il y a le chauffage au sol l'hiver et l'été, ça fait genre la clim au sol, donc c'est trop trop bien. Donc bon, on est bien au frais mais quand même je commence à avoir un peu chaud, surtout que je suis sortie sous 35 degrés tout à l'heure, donc on va aller prendre une douche et je pense que là pendant que je fais mon petit ménage je vais écouter mon livre audio. Actuellement je suis dans La carte des confins de Marie Lamplin, ça fait beaucoup rire. Parce que je vous parle de ma lecture audio de Marie Lamplin et actuellement je suis en train de regarder une de ses vidéos. Voilà, c'est du Muffin and Book et du Marie de partout. J'aime beaucoup 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 pour l'instant. Franchement je passe un super bon moment à l'écouter. Je l'écoute sur Nextory, donc ça c'est très sympa. Et concernant ma lecture du coup papier, écoutez je vous en parlerai demain. Pour l'instant je vais rester sur ça. Bref, je file et du coup nous on se retrouve très prochainement, enfin dans... tout de suite pour vous et demain très certainement pour moi. En tout cas encore une fois j'espère que vous passerez un bon moment de cette vidéo et que voilà vous êtes contents de retrouver les vlogs.
Je vous retrouve, on est mercredi et je pense que ça se voit, le cadre est peut-être un peu mieux puisque j'ai reçu mon trépied du coup hier. Je suis trop contente, il est trop bien. Je vais pouvoir vous faire plein de petits réels avec ce nouveau trépied, donc je suis trop contente. Sinon, j'ai toujours mon superbe bouton de moustique que, comme une idiote, j'ai gratté. Du coup, ça a fait une croûte. Voilà, je suis pas très intelligent. J'en ai un autre ici. Enfin bref, j'ai été bouffée par les moustiques malgré... je me mets une espèce d'huile avec de la citronnelle et tout dessus. Et visiblement, ça ne les arrête pas. Pourtant, ça marchait bien auparavant, mais ça ne les arrête plus. Bref, sinon, à la base, je voulais vous reprendre hier pour vous parler de ma lecture. Mais je ne vais pas vous mentir, mon après-midi ne s'est pas du tout passé comme prévu. Puisque malheureusement, j'ai fait une très grosse crise d'angoisse en forêt hier pendant la promenade de Saïka. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de toute ma vie. Je ne fais jamais de crise d'angoisse habituellement en forêt. Mais à chaque fois, en fait, la fois dernière, c'était aussi le cas. C'est suite à des événements un petit peu chiants. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé hier, pour vous raconter vite fait... C'est que, alors comme ça en plus je me dis ça peut-être faire de la prévention au cas où si jamais il y a des gens qui ont des chiens et qui sont peut-être pas forcément au courant de ce phénomène. Mais c'est vrai qu'en ce moment je suis assez parano avec les cyanobactéries. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisserai aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Mais c'est des bactéries qui prolifèrent notamment dans les endroits les plus à risque. C'est là où l'eau va stagner, donc dans les flaques, les mares, les lacs. Et ça ressemble à quelque chose d'un petit peu vert, et en fait ça prolifère quand on a des fortes températures comme c'est le cas en ce moment. Et au-dessus de chez moi, en fait je connais le terrain par cœur et je sais où il y a de l'eau. Il faut savoir c'est que j'ai un très bon rappel avec ma chienne, vraiment c'est son rappel, c'est un truc de fou. Il y a un truc sur lequel je ne peux rien faire, c'est l'eau. Dès qu'elle voit l'eau, le cerveau se déconnecte et elle y va. Donc ce qui se passe c'est que bah, en haut de chez moi je connais le terrain absolument par cœur. Je sais exactement où il y a des plans d'eau. Et donc du coup je la rattache quand on les passe, comme ça elle n'y va pas, c'est safe. Puisqu'en fait il faut savoir que les cyanobactéries c'est que c'est très difficile en fait à repérer, puisque ça ressemble un peu à quelque chose de vert, un peu visqueux. Mais le truc c'est que ça peut être des cyanobactéries comme ça peut être totalement autre chose. Franchement moi je vous encourage, si jamais vous voyez un plan d'eau où il y a un petit peu des trucs, un peu des algues, un petit peu bleu vert dessus et que ça sent pas très bon, dans le doute ne laissez pas vos chiens y aller. Il faut savoir c'est que c'est... C'est très mauvais pour nous même si on se baigne dedans, et pour les chiens en revanche c'est mortel. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Et en fait ce qui s'est passé hier c'est qu'on passe des flaques, je l'attache, je la relâche un petit peu plus loin, elle n'y va pas. Et en fait il y a un espèce de plan d'eau, c'est pas vraiment un plan d'eau en fait, il y a une cuve un peu dans les sous-bois. Et avec toute la pluie qu'il y a eu cette année c'est vraiment rempli, et encore maintenant c'est toujours rempli malgré les chaleurs. Ça s'est pas du tout évaporé et l'eau même en plein hiver à cet endroit là est absolument dégueu. Donc ça je sais que c'est un truc... où les cyanobactéries peuvent très bien se plaire. Et donc du coup on passe devant, Saïka est détachée. Donc je sais pas, peut-être 20-25 mètres plus loin, je la détache. Elle commence à faire sa promenade normale, enfin elle continue à avancer. Et là je sais pas, je pense qu'il y a eu un tilt dans son cerveau. Elle s'est dit attends, mais il y a de l'eau là-bas. Et donc du coup elle a fait demi-tour et elle a foncé. Donc autant dire que j'ai commencé à hurler, je lui ai demandé de revenir et tout. Bon, rien n'y fait, hein. Saïka y a été. Mais je pense qu'elle a dû sentir que j'étais très paniquée, ce qui fait qu'elle a vraiment juste... elle est passée dedans et elle est ressortie tout de suite. Donc normalement elle en a pas bu. Mais bon, j'ai pas vu parce que c'est dans les sous-bois. Donc j'ai commencé déjà là à être pas mal paniquée. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai rattachée. J'ai été voir un peu la couleur de l'eau. Franchement elle était vraiment dégueu et il y avait des petits trucs verts. Donc là la crise d'angoisse commençait à monter. Bon, quand c'est comme ça je sais que je peux la canaliser. Sauf qu'en fait il y a eu un enchaînement de situations à la con. C'est-à-dire que du coup je me suis retournée sur le chemin. Et là d'un coup il y a un cavalier. Franchement c'est chiant parce que... je vous disais que j'avais jamais de galère avec des cavaliers, et depuis que je vous ai dit ça, c'est la deuxième fois que j'ai une galère de ce style, où le mec est arrivé galop très vite, et n'a pas pris la peine de repasser au trot en me dépassant. C'est-à-dire que là, si Saïka n'était pas attachée, parce que là du coup, heureusement je l'avais attachée, je pense qu'elle finissait dans ses pattes quoi. Donc franchement j'étais dégoûtée, parce que là vraiment j'ai juste eu le temps de le voir, de tirer Saïka, et il est passé. Voilà, et pas un pardon, désolé, rien. Pourtant il n'était pas embarqué, hein, ça se voyait, parce qu'il était, il était pas un galop où le cheval, où on voit qu'il fait le con, on voit qu'on peut plus l'arrêter. S'il avait un petit galop rassemblé, mais bah, même un petit galop rassemblé, ça va quand même assez vite quoi. Donc bon, bref, je pense que ces deux choses là, les deux gros coups de stress coup sur coup, a fait que ça m'a déclenché une crise d'angoisse pas possible. Donc je me suis assise, j'ai réussi à me calmer, Saïka a été nickel à côté, enfin franchement elle m'a trop aidée. Et donc du coup je suis rentrée chez moi, mais je vous cache pas qu'après toutes ces émotions,
j'étais pas très 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 bien. Voilà, donc c'était les petites expériences de Juliette. C'est vrai que c'est rare quand même. Je suis quelqu'un de très angoissé, mais c'est rare que, enfin en tout cas maintenant c'est très rare que j'arrive, que mes crises d'angoisse explosent comme ça. Je sais quand même pas mal les canaliser maintenant. Mais donc voilà, donc bref, mon après-midi n'a pas été des plus sympathiques. Voilà. Sinon, mis à part cette petite mésaventure, du coup, hier j'ai quand même bien bossé, surtout le matin du coup, j'ai vraiment bien bossé et bien avancé sur mes mises en couleur notamment. Et par la suite, voilà, j'ai un petit peu travaillé aussi en fin d'après-midi, j'ai un peu lu aussi. Et je vous l'avais dit, mais du coup, aujourd'hui, toute ma matinée, mon début d'après-midi, était consacrée au projet d'une cliente. Donc voilà, pour l'instant, je lui ai envoyé des propositions. J'attends son retour pour pouvoir continuer de travailler dessus et modifier ce qu'il faut modifier. Et j'ai repris du coup là ma mise en couleur. Je vais vous montrer l'illustration un petit peu sur laquelle je travaille si j'arrive à déverrouiller mon iPad. Donc pour l'instant, franchement, c'est juste le début. Parce que du coup, j'ai pu, j'ai commencé à la mettre en couleur là tout à l'heure. Donc voilà, et du coup hier je vais vous montrer une que j'ai terminée. J'ai terminé cette, si j'arrive, allez ouais, cette petite sorcière. Voilà, donc je suis trop mignon cette petite sorcière là, perdue au milieu de la forêt en train de se faire un petit tea time. J'adore. Donc bon, bien sûr c'est du coup la collection automnale sur laquelle je travaille. Je vous avais dit de base qu'elle apparaîtrait début septembre. Malheureusement ça sera pas le cas, je serai pas dans les temps. Voilà, c'est vrai que j'ai pris 3 semaines quasiment sans rien faire. Donc bah forcément j'ai pris un petit peu de retard. Je me dis au début je culpabilisais beaucoup. Maintenant je me dis au moins t'as pris le temps de te reposer et tu reviens à bloc, donc c'est très bien. Voilà du coup pour les petites news niveau boulot. Et donc pour ma lecture que j'arrive à l'attraper, je suis dans les Trône Trahi de Nesrine Amari, qui est publié chez Stardust. Si j'ai bien compris, c'est un one shot. Voilà, donc il n'y a pas de suite. C'est une histoire tac comme ça. Et ça, je vous avoue que ça fait plaisir quand je vois le nom de saga que j'ai en cours. Un petit one shot, ça fait du bien. C'est, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un livre, il me semble, que j'avais vu passer sur la chaîne ou sur le compte Instagram de Gladys et qu'il l'avait beaucoup aimé. Je crois que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et donc du coup, suite à son avis, j'ai fait craquer sur ce roman et là du coup j'ai envie de le sortir. Donc dans ce roman, on va le suivre en fait, comment est-ce qu'elle s'appelle? Vous savez que moi les prénoms c'est un truc de fou. On va suivre Phébé et Émeris, donc on a leur point de vue à chacun. Il faut savoir c'est que dans ce monde il y a deux royaumes qui ont été en guerre pendant très longtemps. L'un où il y a il y a des personnes qui ont des pouvoirs, dans l'autre les gens n'en ont pas, mais ceux qui n'en ont pas ne sont pas jaloux parce qu'ils voient en fait la magie comme une sorte de blasphème, comme de la sorcellerie. Ils ont été en guerre pendant des années et des années jusqu'à ce qu'un traité a été signé. Et donc bah du coup ce traité, en gros, il faut les lois, les quoi, je sais pas comment dire. Bon, en gros, la trêve, et ce qui a été écrit sur ce traité, ça, on va essayer de faire simple, c'est que la paix prospère tant que les Sidiens, donc le peuple qui a la magie, n'entrent pas sur les terres de l'autre royaume. Et si jamais quelqu'un entre dans le royaume où il n'y a pas de magie alors qu'il a de la magie en lui, il est brûlé vif. Voilà, mais en attendant, du coup, entre les deux clans, ça se respecte et il n'y a plus de guerre. Jusqu'au jour où, du coup, les parents de Phébé, donc qui est Phébé, c'est un peu galère à dire, j'y arrive pas trop, donc qui est dans le royaume où il y a de la magie, sont assassinés, les deux, et donc, du coup, il va transparaître que apparemment ils ont été assassinés sous ordre du clan ennemi, donc de l'autre royaume. Et ce qu'il faut savoir sur Phébé, c'est qu'elle, elle a un pouvoir très particulier, puisque quand elle embrasse quelqu'un, cette personne meurt tout de suite. Donc elle a un peu un baiser meurtrier. Il faut savoir que ses parents, quand ils ont appris que c'était ça son pouvoir, du coup ils la voient un petit peu comme une arme secrète, donc personne n'a jamais vu Phébé au sein de son royaume. Et ils disent en gros qu'elle est malade pour la cacher dans une chambre, pour que personne n'essaye de la voler, parce qu'ils la voient comme vraiment une arme de guerre, qu'il faut bien protéger, bien rester secrète, qu'il doit bien rester secrète. Donc quand ses parents meurent, du coup c'est la sœur de Phébé qui prend la tête du royaume et ils sont bien entendu bien décidés à prendre vengeance sur le royaume ennemi, parce que en plus de ça, depuis du coup le régicide, son peuple sombre dans le chaos. À côté de ça, de l'autre côté, on a du coup Émeris, qui donc du coup lui est roi depuis très peu, puisque son père est atteint d'une mystérieuse maladie qui l'a plongé du coup dans un espèce de coma, et donc du coup il a repris les rênes de son royaume, et apparemment, enfin d'après les espions du coup du clan ennemi, ce serait lui qui aurait commandité le meurtre des parents de Phébé.
Donc du coup, ce qu'elle va faire en accord avec sa sœur, c'est que pour détruire l'autre royaume de l'intérieur et prendre du coup sa vengeance sur le peuple ennemi et donc sur ce roi qui aurait fait tuer ses parents, elle va intégrer en secret la cour du roi Emrys en se faisant passer pour une jeune fille dont la famille a été disgraciée de la cour. Enfin, en gros, son grand-père aurait fait une faute grave et donc du coup, il aurait été banni de la cour. Et donc du coup, elle se fait passer pour sa petite fille qui reviendrait du coup des années plus tard pour faire allégeance au roi et donc faire pardonner ses péchés. Donc bien entendu, c'est une trope qu'on voit assez souvent avec voilà, la princesse qui s'infiltre dans le royaume ennemi sous une couverture secrète. On se doute bien que du coup, elle va apprendre à connaître le roi, que c'est pas forcément ce qu'elle avait imaginé. C'est quelque chose qu'on revoit souvent, mais franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment. J'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je trouve qu'elle a vraiment bien construit ses personnages. Je m'y attache beaucoup. J'aime bien leur façon d'évoluer, que ce soit leur façon d'évoluer seule avec eux-mêmes ou dans leurs relations. J'aime beaucoup. Le système de magie aussi est très très chouette et il y a plein de petites intrigues de cours, de politique et tout. Avec du coup, c'est vrai qu'elle se fait passer du coup pour ce qui reviendrait un petit peu à la saison des débutantes dans le palais du roi, où en gros la belle-mère, parce que la mère de Emrys est décédée, mais donc du coup sa belle-mère a pour optique de le marier, et donc du coup il y a un petit peu, ouais, vous voyez ces balles, ces petits commérages et tout, enfin bref, c'est très très chouette pour l'instant, j'aime beaucoup beaucoup, mais on sent qu'il va y avoir des batailles, qu'il va y avoir des petites choses, et puis en plus de ça, j'aime beaucoup le personnage de Phoebé, parce que elle a une part quand même de sensibilité, on sent que vraiment elle a vécu des choses pas faciles et qu'elle a plein de traumatismes, mais à côté de ça, elle recule devant rien, c'est une battante et tout, et Phoebé, lui, c'est vrai qu'il est un petit peu plus... Il est aussi complexe, il a aussi plein de petits secrets et je pense qu'au fil des pages, on va décortiquer un petit peu son passé et il a en fait comme une armure sur lui, tout le temps un masque de mec ultra dur, ultra confiant en lui, mais plus les pages avancent, plus on gratte et on voit qu'en fait il cache plein de petites choses. Donc franchement pour l'instant c'est très très chouette, je passe un très bon moment. C'est un livre qui fait je crois à peu près 500 pages, là actuellement j'en suis à 317e page. Bon, je pense pas qu'il sera terminé ce soir, puisque vu que j'ai pas dessiné énormément, là concrètement je vais faire mon ménage, je vais prendre une douche pour vous expliquer, et ensuite je pense que au lieu de lire, vous savez que généralement avant de commencer à faire à manger, j'aime bien prendre 45 minutes à peu près pour lire, là je pense que je vais continuer à dessiner, et du coup je commencerai à lire après, voilà, genre après mon petit repas, enfin et après la promenade de Saïka. Donc voilà pour ça, sinon niveau réception, normalement je devrais recevoir une petite commande de papeterie que j'ai passée sur la boutique de Gladys. Je sais pas si ça sera dans ce vlog, potentiellement ça sera ou samedi ou du coup dans le vlog prochain. Et sinon en matière de livres, je vous ai montré dans ma précédente vidéo mon seul et unique achat du mois d'août, qui était du coup le tome 2 de Rebel University. Très sincèrement, je pense pas qu'il y en aura d'autres ce mois-ci, puisque j'ai fait... un achat d'adulte ce mois-ci, mais qui m'a coûté bonbon puisque j'ai acheté un four qui m'a été livré d'ailleurs ce matin et qui est dans mon entrée. J'attends, demain c'est férié du coup, je vais pas aller manger chez mes parents, je vais bosser en fait moi normalement hier, enfin, je vais faire que du dessin, donc des trucs très très cool, mais donc du coup l'après-midi quand même je vais retrouver mes parents pour qu'on se promène ensemble, et ensuite mon papa va venir me monter mon four, donc je suis trop contente puisque jusque-là je n'en avais pas. Dans mon précédent appartement, j'avais pas du tout la place. Donc là, j'ai trop hâte qu'il me le monte et qu'il me le mette en place. Mais bon, du coup, vous doutez bien que ma chaise grince. Avant, elle grinçait pas. Bref, vous doutez bien que c'était un très très gros achat. Et que, on a fait l'impasse sur les livres, du coup, ce mois-ci. Voilà. Bref, je vous laisse. Moi, je vais continuer. Enfin, je vais finir mon thé. Ensuite, je vais faire un petit peu de ménage. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, le fin mardi soir, du coup, Saïka va très bien. Hein. L'eau, du coup, devait être nickel. Mais en fait, surtout, ce que je pense, c'est que même si on avait un petit peu, parce que c'était pas non plus catastrophique, même s'il y avait un peu de cyanobactéries, c'est que je pense qu'elle a senti que j'avais très 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 peur. Et donc, elle a vraiment fait un passage éclair et elle est remontée tout de suite. Donc, elle a pas dû en boire. En tout cas, je veux vous dire qu'aujourd'hui, alors à la base, aujourd'hui, j'avais prévu de faire la promenade côté champ. Mais je me connais, je sais que si je ne refaisais pas la même promenade qu'hier, j'aurais eu trop peur de la refaire plus tard. Et je pense que les gens qui ont des angoisses comme ça savent que
que voilà, on peut rester parfois bloqué sur des trucs, donc j'avais vraiment besoin de me prouver à moi-même que je pouvais refaire cette promenade et que tout se passerait bien, nickel. Et donc là, écoutez, tout... Non, alors attendez, tous les traumatismes ont été réparés, puisque non seulement... Non, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché Saïka vraiment bien, bien plus loin. Bon, du coup, c'est dommage parce que il y a trois spots, en fait, où je sais qu'il y a de l'eau et où du coup, je suis obligée de la... rattachée. Donc bah du coup il y a une, ouais, peut-être un tiers de la balade où normalement elle est 100%, vraiment 100% en libre tout le long. Là du coup il y a un tiers de la balade où elle est attachée, mais j'ai envie de me dire c'est pour sa sécurité. Donc non seulement tout s'est bien passé à ce niveau-là, Saïka n'a pas été dans l'eau, mais en plus de ça, j'ai croisé cette fois-ci une cavalière très courtoise où vraiment je l'ai vue arriver, elle était au galop, elle m'a vue, elle est repassée au pas, j'ai eu le temps de rattacher Saïka, de la mettre sur le côté, de lui dire Saïka tu ne laisses pas bouger, je l'ai laissé passer la cavalière et tout s'est très bien passé. Donc vraiment, tous les traumatismes ont été bannis aujourd'hui, voilà, et réparés. Donc c'est une très bonne journée. Bref, je vais arrêter de blablater, je vais aller faire mon ménage pendant que Saïka est bien en train de dormir. J'ai envie de vous dire, j'aurais pu vous dire, elle n'a pas été dans l'eau, donc elle est nickel, sauf que... elle s'est roulée dans du crottin, voilà. Donc du coup j'ai dû la doucher à moitié en rentrant de promenade. Donc forcément c'est très compliqué de sécher totalement un chien, il se secoue et tout. Donc elle m'a bien crassossé l'appartement, donc je vais aller nettoyer tout ça. Bref, c'était beaucoup de blabla, 16 minutes, donc je vais m'arrêter, je vais m'hydrater et on se retrouve du coup, bah la moto, c'est pas possible, ça fait beaucoup de bruit. Donc on se retrouvera du coup ou demain ou après-demain. En tout cas, on se retrouvera, c'est sûr. Vendredi, je vous retrouve avec une petite coupe de folle, mais je viens vous donner quelques nouvelles. Écoutez, je pense que ce n'est pas notre semaine, voilà. C'est une reprise un peu compliquée, voilà, voilà. Puisque, pour changer, Saïka est un peu malade. Enfin, un peu, enfin, je sais pas, en fait. Pour résumer la situation, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Mais, du coup, hier soir, en fait, en rentrant de malade, elle avait beaucoup de mal à se poser. Vous savez, comme si elle avait mal au ventre. Du coup, ça m'a un peu inquiétée. J'ai surveillé. Vers minuit, elle a fini par se poser. Donc, je me dis, ok, bon, je vais surveiller. Donc, ce qui explique peut-être... Alors, je me suis maquillée. Mais je vous avoue que j'ai pas très bien dormi. Fatalement, je me suis réveillée... vraiment je pense toutes les heures pour vérifier comment elle allait. La nuit c'est quand même relativement bien passé, elle n'a pas rebougé ou quoi au caisse. Et ce matin par contre en me réveillant, je me suis rendu compte en balade qu'elle était vraiment mais comme shootée, elle était vraiment faible. J'ai même pas pu faire mon tour de d'habitude tellement elle était à la traîne derrière, elle était ouais vraiment comme, enfin elle est ultra comateuse en fait. Et donc du coup en rentrant je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, est-ce que j'appelle le vétérinaire? Sachant que tout, enfin mon véto est en vacances, voilà la clinique est fermée, mais voilà j'ai la situation de repli, vous savez des urgences 24-24 qui sont à 20 minutes de chez moi. Donc je me dis écoute peut-être qu'elle voilà, elle a mal dormi parce qu'elle avait mal au ventre et tout. Donc je me dis écoute je vais attendre pour voir. Et là du coup là je vous dis il est je crois 10h quelque chose comme ça, oui 10h02 très exactement. Donc tout ça c'était en rentrant de notre malade à 7h30 quelque chose comme ça. Et là ouais il y a une demi-heure je vois que... elle est vraiment, vous savez, genre elle a comme la tête qui a du mal à... enfin, elle a du mal à tenir sa tête et tout, donc vraiment pas trac. Donc bon, je me suis dit, écoute, ça m'inquiète, je vais appeler le vétérinaire quand même pour leur donner leur avis, enfin pour leur demander leur avis, sachant qu'elle a pas mangé non plus, et que bah, bref, je connais ma chienne, enfin moi normalement le matin, elle a un petit peu de mal à se réveiller, mais une fois qu'on est en forêt, elle court partout et tout. Et en plus de ça, tout de fou, une biche est passée pas très loin de nous,
et elle n'a pas bronché, donc vraiment très très bizarre. Et là voilà, le fait de la voir vraiment, ça m'a fait trop de peine. Je vous dis, tout à l'heure je la vois, elle avait la tête qui comme ça, elle est un peu bizarre. Donc j'ai fini quand même pour me rassurer à la base, pour demander avis en fait à un vétérinaire. Donc j'ai appelé les urgences et elle m'a dit qu'effectivement c'était pas normal. Et donc elle m'a proposé un rendez-vous à 16h30. Donc je l'emmène à 16h30 tout à l'heure aux urgences vétérinaires. Je suis contente parce que j'avais peur qu'ils aient plus de place, puisque vraiment tous les vétérinaires du coin sont fermés, même celui qui est dans ma ville il est fermé. Donc je sais que tout le monde emmène son chien là en ce moment, il y a un groupe de ma ville, je vois souvent passer en ce moment des mon chien est malade, tous les vétérinaires sont fermés et tout le monde les envoie dans ces urgences là. Donc je me suis dit, à tous les coups il va pas y avoir de place et je vais être obligée d'appeler Vélizy. Et je vous l'avais dit, j'ai pas eu une super expérience avec les urgences vétérinaires de Vélizy. Mais donc là je suis contente, du coup c'est ces vétérinaires là que j'aime beaucoup, qui sont très très sympas et auxquels je fais totalement confiance. Bon, je préfère l'emmener à mon vétérinaire dans lequel qui la suit habituellement, mais là, écoutez, je suis contente d'avoir cette situation de repli. Donc je vais l'emmener au vétérinaire à 16h30 en espérant que ce soit rien de trop grave. Je vous avoue que comme d'habitude je me fais tous les films dans ma tête et ça m'inquiète, mais bon écoutez, au moins je serai fixée, elle sera entre de bonnes mains. Et écoutez, en attendant je vais la surveiller, la neuroloter. Je pense que j'essaierai de la ressortir tout à l'heure après manger. Sachant que oui, je suis désolée, pas très glam, mais hier soir pendant notre promenade elle a eu un peu la diarrhée et elle a pas refait ce matin, donc voilà, je verrai comment ça se passe à la petite sortie tout à l'heure. Je ferai vraiment juste une petite sortie histoire de faire un pipi et de voir tout ça. Donc voilà, les nouvelles pas très très bonnes du jour. Franchement, entre une crise d'angoisse et ça, cette semaine, c'est pas fou. Pourtant, hier, j'ai passé une tellement bonne journée. Franchement, c'était une trop trop bonne journée hier. Il faisait beau, le matin j'ai travaillé, j'ai bien avancé dans mes illustrations, donc j'étais trop contente. J'ai eu un retour de ma cliente pour le fameux projet sur lequel je travaillais il y a deux jours. Elle a trop aimé, il y a genre deux illustrations que je dois un petit peu modifier, mais sinon elle a trop aimé, donc je suis trop contente. C'est vrai que c'est toujours un peu... Ouais, j'ai toujours un petit peu peur parce que bah, quand je travaille pour quelqu'un et pas pour moi, j'ai toujours peur, je sais pas, de viser à côté, que ça plaise pas ou quoi qu'est-ce. Là du coup elle était emballée, donc je suis trop contente, là je vais faire les modifs. Et ensuite l'après-midi on a été promener hier avec mes parents, c'était une trop bonne balade, on s'est bien amusé. Et ils m'ont aidé à monter mon four, donc je suis trop contente, du coup mon four est prêt à être utilisé. Et on a fini la journée par une petite sortie Cultura, donc vraiment la journée parfaite. Donc du coup je vais vous montrer, c'est ma maman qui m'a gentiment acheté ce bouquin, donc je suis trop contente. C'est un livre que j'ai vu passer dans le book haul slash avis lecture de Muffin and Book. Et donc du coup c'est La mort de tante Dimitri, une enquête d'outre-tombe de Nancy Atherton. Donc c'est la maison d'édition Verso, je ne connaissais pas du tout. Et je sais pas, la couverture est dans une matière un peu cartonnée, enfin j'aime beaucoup la DA de la maison d'édition, la couverture est juste sublime, j'adore. Et donc du coup, si j'ai bien compris, c'est un espèce de petit cosy mystery. C'est un livre qui est réédité puisqu'il est sorti il y a 30 ans, donc bon, j'espère que ça va pas faire comme Anna Swensen où parfois on sent que ça a été écrit il y a longtemps, les enquêtes d'Anna Swensen, avec parfois des remarques un peu grossophobes, enfin bref, on sent que ça date. Donc j'espère que ce sera pas le cas là, mais Marie du coup de Muffin and Book avait l'air d'avoir bien aimé et passé un bon moment. Si j'ai bien compris, par contre il y a genre je ne sais combien de tomes, enfin c'est une saga où il y a beaucoup beaucoup de tomes. Donc bon, on va voir, je me lance du coup dans une autre saga très très remplie. Je vais vous lire le résumé. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de tante Dimitri que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que tante Dimitri a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort, compiler toutes ses histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswold, mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison, le fantôme de tante Dimitri semble veiller sur elle. Donc ça a l'air trop trop mignon, je sais plus s'il n'y a pas peut-être une part un peu fantastique ou quoi, okay, mais en tout cas ça a l'air trop trop choupi, donc j'ai hâte. Il est au prix de 14,90€, donc en plus un petit prix, ça fait plaisir. Donc voilà pour mon petit achat. Sinon j'ai terminé du coup ma lecture des Trônes Trahis hier soir, je vous cache pas, un petit peu en diagonale, enfin j'étais pas très concentrée, puisque bah, je vous dis, j'avais à côté Saika qui arrêtait pas de bouger, qui était pas très bien à côté, donc j'ai fini ça un peu laborieusement. Je vous ferai mon avis un petit peu plus tard, parce que là il faut que je retourne travailler, sachant que bah, du coup là en plus de ça, je vais avoir une partie de mon après-midi où je ne vais pas bosser. Je devais tourner un réel aujourd'hui, faire
un petit vlog pour Instagram en réel, mais du coup j'ai pas fait, enfin je l'avais commencé au début de ma journée, mais en voyant ça qui a pas bien, je me suis dit écoute laisse tomber, on fera ça un autre jour, donc je le ferai la semaine prochaine. Donc voilà pour les petites news. Par contre je suis dégoûtée parce qu'elle est malade et demain elle devait retrouver tous ses copains. Donc je vous avoue que j'étais trop contente qu'elle retrouve tous ses copains demain, mais bon bah si elle est malade, elle est malade, hein, elle pourra pas y aller. Mais donc voilà, bref, moi je vais continuer à boire mon petit thé et je vais continuer de travailler. Là actuellement je suis sur le tout début d'une illustration, je galère un petit peu à trouver des couleurs qui me plaisent. Je vais vous montrer le brouillon, alors j'ai à peine commencé, hein, mais voilà. Avec un petit renard et un petit lapin dans une maison, dans une forêt pleine de champignons. Et sinon, hier j'ai terminé celle-ci. Je suis trop contente. Un petit pique-nique en mode cottagecore automnal, j'adore. Et voilà du coup pour les petites avancées. Écoutez, moi je vais retourner travailler et je vous donnerai des nouvelles de Saïka un petit peu plus tard dans le vlog. Je vous retrouve avec un chignon très approximatif, avec la tête pas maquillée. Vous savez ce que généralement ça veut dire. On est dimanche et oui, il y a eu un petit bond dans le temps puisque vendredi, en rentrant du veto et hier, j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre pour vous parler. J'ai eu des journées un petit peu chargées, enfin une journée surtout hier un peu chargée. Donc du coup, écoutez, je viens vous donner des nouvelles de la petite chose en train de dormir juste ici. Écoutez, tout va bien. Du coup, on est allé au vétérinaire. Elle lui a pris la température, elle lui a fait l'examen. Elle avait pas de fièvre, tout ça, mais elle m'a quand même proposé de faire une prise de sang pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas un virus, quelque chose comme ça. Et écoutez, la prise de sang est revenue totalement nickel. Donc ce qu'on pense, c'est peut-être qu'elle a mangé quelque chose qu'elle aurait pas dû, ce qui est possible. Peut-être qu'elle avait chopé un truc au parc la veille. Je vous avoue que quand je suis au parc, je fais très très attention, elle est en laisse, mais un moment d'inattention, ça peut arriver à tout le monde, donc c'est probablement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le reste de la journée, même après le rendez-vous du vétérinaire, elle était très fatiguée. Dès le lendemain, ça allait mieux. Hier, du coup, on a même pu aller à la promenade avec tous ses copains. Donc écoutez, c'est une bonne nouvelle, encore une jolie frayeur, mais écoutez, le principal c'est qu'elle va beaucoup mieux, donc voilà. Bref, sinon, mis à part ça, hier j'ai eu une journée assez chargée, c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'ai été faire mes cours, j'ai fait mon ménage, j'ai bossé et puis bah, en 18h du coup j'ai été la promener avec ses copains. Mais je voulais vous reprendre pour vous parler enfin du coup de la lecture que j'ai. Mon pauvre livre, au secours, je suis désolée Josiane, ça t'a fait peur, la petite Jose, ça vous a réveillé. Je suis désolée, mais je suis aussi désolée pour ce livre qui a fait un vol plané, le poète n'a pas dû comprendre. Donc du coup, il s'agit des 30 trahis de Nesrin Amari. Comme d'habitude, je ne retiens pas le nom des auteurs. Ma pauvre Saïka, elle est prostrée à côté de moi en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, et par contre, il faut,
faut que je vais, enfin faut que je surveille, puisque bah du coup ils ont fait une prise de sang, donc ils l'ont rasé un petit bout au niveau de la patte, enfin oui, la patte, et elle se gratte, ça doit la gratter quelque, vu que ses poils repoussent, donc c'est tout rouge, donc faut que je fasse attention, faut que je surveille ça. Mais donc oui, comme je vous le disais, je crois au début de ce vlog, quand je vous ai fait un petit peu le résumé, c'est vrai que cette histoire de princesse qui infiltre le royaume ennemi pour sauver son royaume, tout ça, c'est du vu et du revu. Bien entendu, on s'attend à ce qu'elle découvre que le roi du royaume ennemi, finalement, il n'est pas si méchant que ça, qu'on ne lui a peut-être pas tout dit. C'est du vu et revu. Mais franchement, dans celui-là, j'avais vraiment peur quand je me suis lancée à l'intérieur de me dire... J'ai déjà lu des histoires comme ça, ça va peut-être me lasser, et finalement, franchement, pas du tout. Déjà, j'ai trouvé que la construction, enfin, malgré le fait que la trope de l'histoire était quand même semblable à beaucoup de romantaisie, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'originalité, déjà par rapport au système de magie, par rapport au vécu de la princesse, tout ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. On ne s'ennuie pas tout au long du roman. Alors, je crois qu'il y a un moment où je me suis un peu ennuyée sur 50 pages, sur un roman qui en fait, je crois, quasi 500. C'est pas grand chose, la plume de l'autrice est vraiment super chouette, elle nous immerge vraiment dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé nos deux personnages avec Phoebe, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois. J'ai beaucoup aimé son côté en même temps badass, mais elle a quand même une part de sensibilité, enfin elle a une vie qui est pas facile non plus. Enfin, vous vous doutez bien que le fait que dès que t'embrasses quelqu'un, il crève. C'est pas tip top, comme ça t'offre pas beaucoup d'avenir au niveau amour, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé comment tout ça était abordé, son passé aussi, comment elle remettait en question tout ce qui lui arrivait. J'ai beaucoup aimé aussi la relation qu'elle a pu avoir avec il y a une domestique en fait, enfin c'est un peu une guerrière qui se fait passer pour une domestique qui l'accompagne. J'ai beaucoup aimé leur relation aux deux. Pareil, le prince, généralement il me tape un peu, enfin c'est le genre de caractère, vous voyez, un peu grognon, un peu trop sûr de lui, sûr de ses choix, avec vous voyez, pour lui la magie c'est du blasphème, c'est horrible et tout. Je l'ai quand même bien aimé, et c'est vrai que j'ai été un peu surprise parce que vraiment, encore une fois, c'est le type de personne, enfin de personnage pardon, qui peut me taper un peu sur les nerfs. Là franchement pas du tout. Leur relation, pareil, je l'ai trouvé réaliste, enfin c'est pas ça tombe pas des nues comme ça où d'un coup ils se regardent et là waouh c'est le coup de foudre et tout et tout. Bien sûr il y a des hauts, il y a des bas, et je les ai trouvés plutôt réalistes, pas ultra dramatiques où t'as envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. Donc franchement je pense que si vous voulez une romantassie, et que, si jamais vous avez les a priori de vous dire c'est une histoire qui ressemble à tant à beaucoup que j'ai déjà lu, franchement tentez le coup quand même, parce que c'était très très chouette. Et comme je vous l'ai dit, je trouve que l'autrice a bien rythmé son bouquin. Il y a des révélations un petit peu glissées tout au long du roman, où bah, du coup ce qui fait qu'on a envie de continuer. En plus les chapitres sont assez courts, donc ça c'est chouette. On a le point de vue aussi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup des deux personnages, donc ça c'est très chouette. Et la fin est très cool aussi, du coup oui, c'est un one shot. On pourrait continuer, je pense, on pourrait, enfin tout est résolu à la fin de ce roman, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un livre compagnon ou quoi. Ok, ça, franchement ça me dérangera pas et je le lirai, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce n'est pas prévu. Mais franchement ouais, si vous voulez une romantaisie plutôt sympa, je vous le conseille, il est très très chouette, je pense que vous passerez un très bon moment avec. Sinon, j'ai également terminé ma lecture audio de La Carte des Confins, le premier tome de Marie Serremplin. C'est vrai que je connais par cœur le nom de sa chaîne YouTube que je regarde très régulièrement, qui est Muffin and Book. Son nom de famille, il me semble que c'est Marie Serremplin, si je ne dis pas de bêtises. Dans tous les cas, vous tapez La Carte des Confins, tome 1, vous le trouvez très facilement. C'est publié chez vos éditions PKJ. Moi, pour le coup, je l'ai écouté sur Nextory et c'était trop bien. Alors déjà, franchement, je me rends compte que les audios de chez Lizzie, ils sont vraiment topissimes. À chaque fois, il y a des petites musiques. Les voix sont toujours super chouettes. Les acteurs sont toujours au top. D'ailleurs, là, on a deux acteurs parce que je vais vous raconter un petit peu, enfin, je vais vous speecher l'histoire. Mais on a le point de vue du monsieur et de la madame. Et du coup, c'est deux voix différentes. Donc, c'est très, très, très chouette. Mais donc, du coup, alors, c'est une, on va dire, je sais pas si on peut dire une romantaisie, parce que c'est quand même très concentré sur la romance. Si vous cherchez vraiment une histoire de pirate où on approfondit vraiment
le système de magie, leurs aventures et tout, c'est peut-être pas forcément vers quoi je vous dirigerai. Mais si vous voulez une romance plutôt, qui se passe dans un univers de pirates avec un peu de magie, là franchement foncez, c'était trop trop chouette. J'aimais surkiffer la plume de Marie. Alors à chaque fois que je lis en fait des livres de personnes que je suis sur les réseaux et que j'aime beaucoup, comme c'est le cas avec, du coup Marie de Muffin and Book, ou alors je pense également à Sarah de Mrs. Book Armand, quand je lis ce roman, est-ce que du coup mon avis est biaisé parce que j'adore les personnes? Je sais pas, mais j'ai trouvé sa plume ultra qualitative. Vraiment, elle nous transmet les émotions de ses personnages. Et je me rends compte que je vous donne mon avis, je vous ai toujours pas fait le speech, mais franchement, c'était trop trop bien. Donc du coup, oui, c'est une romance dans un univers de pirates. On va suivre Cali, qui est du coup une voleuse à la base, qui fuit quelque chose, on ne sait pas quoi. Je vous avoue que j'ai pas le livre en papier, donc je connais pas le résumé. Donc je sais pas s'il y a certains trucs qui sont révélés dans le résumé. Donc je vais essayer de vous en dire, enfin je vais vous en dire le moins de choses possible, même si c'est peut-être révélé dans le résumé. Mais en tout cas, on sait qu'elle fuit quelqu'un, on ne sait pas qui. Et un beau jour, elle va vendre un objet magique à un pirate. Et ça va pas se passer comme prévu. Elle va se retrouver avec des gardes qui la courent, elle va se retrouver en prison. Et par une façon que je vous laisserai découvrir, du coup c'est le fameux pirate qui va la sauver, à une condition du coup qu'elle lui donne, du coup c'est un compas magique, parce qu'il est à la recherche depuis des années avec son équipage d'une fameuse carte, une carte des confins, la fameuse, qui permet d'accéder à un univers encore méconnu. Donc il est à la recherche de cette carte depuis des années et donc il veut ce fameux combat magique. Et donc du coup elle va se retrouver sur le bateau avec ce personnage, j'ai dû oublier son prénom, mais vous savez que les prénoms et moi c'est pas mon fort. Et donc du coup on va suivre leurs aventures du coup sur le bateau à la recherche de cette fameuse carte. Et franchement c'était trop trop bien, il y a un petit peu de magie aussi, il y a certains personnages qui ont de la magie et je vous laisserai découvrir tout ça dans le roman. Mais franchement ouais, c'était très chouette. Encore une fois, si vous voulez, en tout cas pour ce premier tome, ce sera peut-être le cas dans les prochains, que l'univers soit ultra approfondi, qu'on soit tout le temps avec des batailles, avec des quêtes et tout, il y en a, mais c'est pas ce qu'il y a en premier plan. En premier plan c'est vraiment la romance entre nos deux personnages, voir comment ça va évoluer. J'ai adoré toutes les joutes verbales qu'il y a entre les deux, comment ils se taquinent, comment ils s'envoient des pics. Les deux sont ultra badass, je pense qu'ils ont le même niveau, vous voyez, c'est à dire c'est pas genre il y a la fille qui est un petit peu moins badass que le mec ou l'inverse, c'est les deux, ils sont aussi badass l'un que l'autre, ils se rendent dedans autant les deux, ils savent se battre autant, enfin vraiment j'ai adoré nos deux personnages, j'ai adoré voir leur relation évoluer, je l'ai trouvé plausible, il n'y avait pas je trouve de drama pour rien, enfin vraiment la romance était beaucoup beaucoup trop chouette à suivre. Et franchement j'ai aussi beaucoup aimé l'à côté, le système de magie, un peu on a un petit peu des batailles, on a bah, du coup toutes ces aventures parce qu'ils partent à la recherche de cette fameuse carte, ils sont sur un bateau, donc franchement pour l'été on a vraiment l'impression d'y être sur le bateau avec eux et de vivre je sais pas toutes les corvées qui vivent, genre s'occuper des voiles, laver le pont, tout ça, tout ça. Bref, ça donne, ça fait peut-être pas rêver quand je dis ça, mais t'as l'impression d'être avec l'équipage et c'est trop trop cool. Et franchement, pour une lecture d'été, si vous voulez, une romance pour l'été, je vous la conseille à 1000%. En tout cas, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai vu que le tome 2 est également sur Nextory, donc je le lirai, c'est sûr. Je vais peut-être pas enchaîner les deux tomes, je pense que là, je vais me plonger. Je pense aller dans le premier tome de Vampiria de Victor Dixen, ou sur la sélection, j'ai vu qu'ils y étaient aussi, les deux me font très envie, je verrai tout à l'heure lequel je choisirai quand j'irai faire mon ménage. Et donc voilà, niveau lecture, j'en ai commencé une autre, mais je vais à peine commencer parce que du coup avec tout ça, vendredi soir j'avais une migraine de fou, du coup je crois que j'ai lu 10 pages, et hier soir j'ai à peine lu en rentrant de la séance, parce que vous savez que généralement on rentre très très tard de balade quand c'est comme ça, donc du coup j'ai à peine lu, donc je vous en parlerai un petit peu plus du coup dans le prochain vlog. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog et que ça vous a fait plaisir du coup de retrouver ce format sur la chaîne, puisque c'est vrai qu'avec mes vacances il y a eu une petite pause, donc voilà, j'espère que vous serez content de me retrouver. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de reprendre la caméra. La semaine prochaine ça va être un petit peu spécial puisque je vais filmer jusqu'à jeudi. Et ensuite, je vais arrêter le vlog et je vous ferai un vlog spécial sur l'Alsace, puisque vendredi prochain, on part pendant quelques jours randonnée en Alsace, donc je vous ferai un seul et même vlog sur celui-ci. Et là, cette fois-ci, je veux vraiment filmer, donc voilà, je vais tout faire pour vous filmer un vlog spécial rando Alsace. Ça peut être très très cool. Ah, et sinon... Merci la moto. Sinon, niveau boulot, j'ai bien avancé, donc je suis très contente. Et voilà, bref, je blablate pour rien dire. Même Saika, ça la saoule, la meuf, vous n'allez pas la voir, mais elle se barre. Voilà, elle en a marre. Elle retourne à sa place.
Oui, elle est. Alors, ah, vous ne le voyez pas. Vous voyez que la partie blanche, mais je vous assure que ses fesses, elles sont toutes noires de boue. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Bref, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve du coup samedi prochain dans un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!